Et coucou! Bon, aujourd'hui, vidéo sur la coloration végétale. Non. Non. Il faut que je refasse ma couleur, mais si ça vous intéresse, j'y pensais que je vous parle de henné, de poudre tinctoriale, tout ça. Dites-le moi. On a tendance à penser que le henné, ça fait tout de suite une tête orange, mais on peut faire plein de couleurs avec le henné. Si ça vous intéresse, dites-moi, j'en parlerai. Voilà, parce que si je me colore au henné, quand je laisse pas pousser pendant des plombes les cheveux blancs. Bon, aujourd'hui, on va parler de déodorant maison. Donc, avant de passer à la recette qui, vous allez le voir, est assez rapide, je voulais vous parler des différents ingrédients que j'allais utiliser. Le principal étant le bicarbonate. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent le déo bicarbonate qui donne un pain solide comme un pain de savon. Donc c'est pas cette recette-là que je vais vous partager. C'est pas la forme que je préfère. J'ai dû arrêter en fait pendant un temps le déodorant en bicarbonate puisque j'utilisais du bicarbonate alimentaire comme c'est conseillé dans les recettes qu'on peut trouver sur internet. Mais il se trouve que c'est pas adapté à tout le monde et c'est pas pour les peaux sensibles. J'étais un peu dégoûtée parce que vraiment c'est le déodorant le plus efficace qui soit sur moi. Hein. J'ai testé différents déos, même des déos bio du marché et tout, mais c'est pas aussi efficace et puis ça revient cher. Donc ouais, j'avais arrêté un peu à contre-cœur parce que ça me faisait plein de petits boutons rouges et des démangeaisons, donc c'est pas très classe là quand vous êtes devant les gens comme ça. Donc bon, j'avais dû arrêter et ma copine Sabrina m'avait dit, mais est-ce que tu as testé le bicarbonate sur fin? Et en fait, je m'étais pas posé la question, mais c'est vrai qu'il y a différentes granulométries de bicarbonate. Il y a le ménager qui est plus épais pour bien nettoyer, bien décaper, l'alimentaire et le surfin qu'on va utiliser en cosmétique plutôt. Et ça se trouve en parapharmacie. Alors, j'ai jamais acheté en parapharmacie, mais c'est Sabrina qui me l'a dit. Mais en fait, j'ai profité d'une commande de poudre là. J'ai un site internet sur lequel je commande le bicarbonate, les cristaux de soude, le percarbonate. Donc, j'ai trouvé la granulométrie la plus fine, donc entre 0 et 130 microns, si je dis pas de bêtises. On va le voir en photo après. Et donc j'en ai profité pour en commander là. Et là, bah, bonheur, aucune démangeaison, aucun bouton. Donc vraiment, si vous avez déjà testé le déo au bicarbonate et que ça vous a causé des irritations, testez avec le surfin parce que vraiment, en tout cas, sur moi, c'est miraculeux. Et voilà, je changerai de déo pour rien au monde. Donc, premier ingrédient, le bicarbonate sur fin, surtout si vous avez la peau fragile. Le deuxième ingrédient, qui n'est pas du tout local, mais je vois pas du tout par quoi on pourrait le remplacer, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, elle a des propriétés antibactériennes, donc ça va éviter le développement des bactéries et donc des odeurs causées par ces bactéries. Et le deuxième intérêt de l'huile de coco, c'est qu'elle se fige en dessous de 25 degrés, donc ça va éviter d'avoir un déo tout huileux. Je connais pas d'autres huiles qui aient ces deux propriétés. Il y a l'huile de pilier qui se fige, mais elle n'est pas antibactérienne. Donc vraiment pour ces deux propriétés-là, je vois que l'huile de coco. Donc vous pourrez trouver aussi bien en supermarché, au rayon cuisine du monde ou au magasin bio. Et donc, troisième ingrédient important, la fécule, que ce soit fécule de pomme de terre, fécule de maïs, donc comme la maïzena que j'ai utilisée, arrowroot, peu importe, qui va avoir la propriété d'absorber l'humidité. Donc, ce qui va faire que votre déodorant ne va pas bloquer le processus de transpiration, mais il va absorber l'humidité. Voilà, des aisselles. Pour ceux qui auraient peut-être des craintes par rapport à un aspect huileux, au fait que ça puisse tacher les vêtements ou quoi, pas du tout. Moi, je mets mon déodorant et je m'habille immédiatement et j'ai jamais eu de problème de taches sur les vêtements, taches grasses ou quoi, vraiment pas du tout. Et l'ingrédient donc que je vais ajouter pour donner un aspect plus crémeux ou beurre, selon les proportions qu'on utilise, c'est le beurre de karité. Pareil, pas du tout local. Bon, moi, c'est un beurre qu'on m'avait rapporté du Mali quand je vivais en Côte d'Ivoire. Mais voilà, effectivement, c'est pas un produit local en France.
Donc beurre, bon peu importe, hein, beurre, ça peut être beurre de karité, ça peut être beurre de mangue, beurre de cacao, mais je préfère l'aspect obtenu avec le beurre de karité personnellement. Voilà, mais après rien n'empêche de faire ces petites expériences. Donc le beurre de karité va modifier du coup l'aspect de votre déodorant et aussi apporter un côté hydratant, voilà, adoucissant sur la peau, donc qui est pas mal, surtout si vous avez tendance à raser vos aisselles ou quoi, c'est bien. Pour finir, pour stabiliser un peu la préparation et éviter que ça ne se liquéfie un petit peu avec les fortes chaleurs par exemple, on va ajouter de la cire. Alors dans mon cas, de la cire d'abeille, c'est ce que j'avais à disposition. Le double intérêt de la cire d'abeille, c'est qu'elle est antibactérienne elle aussi, donc pareil pour éviter le développement des odeurs. Mais après, comme l'huile de coco est déjà antibactérienne, vous pouvez tout à fait utiliser une cire végétale, comme la cire de carnauba, qui va simplement permettre de stabiliser le produit sans propriété antibactérienne, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Et moi, ce que j'ajoute, mais alors c'est vraiment pour le plaisir et il n'y a aucune obligation de le faire, c'est des extraits aromatiques du parfum en fait, sachant que de base, le déodorant seul sent plutôt bon. Après, comme on ajoute du beurre de karité, l'odeur de l'huile de coco est moins forte, mais quand même, donc ça reste agréable. Moi, bon, après, j'aime bien parfumer mes cosmétiques, hein, c'est mon côté fifi, donc voilà, mais il n'y a vraiment aucune obligation. Et quant à l'usage des huiles essentielles, dans ce cas, moi, je vois pas l'intérêt. Bon, dans beaucoup de recettes de déo au bicarbonate, sur Internet, on trouve des huiles essentielles. Bon, alors moi, j'ai jamais mis d'huile essentielle d'une part parce que j'allaite toujours Milovan, il tète encore le matin. Donc j'ai pas forcément, même si maintenant il a 4 ans, j'ai pas forcément envie de mettre des huiles essentielles dans la zone de tétée, quoi, on va dire. Et puis de toute façon, même quand j'aurai fini d'allaiter, je mettrai pas d'huile essentielle. Parce que le déo, avec ces ingrédients-là, se suffit à lui-même, il est hyper efficace. Donc je vois pas l'intérêt d'aller ajouter une huile essentielle, sachant qu'à produire une huile essentielle, c'est pas forcément très écologique. Donc utiliser une huile essentielle seule, comme le Palmarosa, comme certaines font, hein, n'utilisent que de l'huile essentielle comme déodorant, pourquoi pas. Mais couplé aux autres ingrédients, je vois vraiment pas l'intérêt. Si c'est pour parfumer, on utilise un extrait aromatique, voilà, un parfum, mais pas une huile essentielle, quoi. Donc voilà, surtout que vraiment les autres ingrédients suffisent largement et le déodorant est très 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 efficace. On va pouvoir passer à la réalisation de la recette. Vous verrez en fin de vidéo donc le résultat final, le rendu au bout de quelques heures. Mais je voulais vous montrer ce que ça rend au bout de plusieurs jours, parce que ça fait plusieurs jours que j'ai réalisé la recette, parce que c'est pas du tout le même aspect, ça durcit encore. Et donc, je ne sais pas si vous allez bien bien le voir là. Mais on a plutôt. J'en ai pris pas mal. Là, franchement, pour une aisselle, c'est largement suffisant. Donc, on a plutôt un aspect proche du beurre de karité finalement. Ça ressemble à du beurre de karité. Ça s'étale peut-être un peu plus facilement quand même que du beurre de karité pur. Parce qu'il y a l'huile de coco aussi, hein. Mais ça s'étale très très facilement, ça ne fait pas de taches. Voilà, ça s'étale très très bien. Et voilà, donc au bout de quelques jours, on va plutôt avoir un aspect beurre. Donc ça, après, c'est selon les goûts de chacun. C'est-à-dire que je vous donne une recette de base, à vous de la faire. De tester et puis de voir si cet aspect beurre ça vous va ou si vous voulez quelque chose de plus crémeux. À ce moment-là, vous pouvez mettre plus d'huile de coco et moins de beurre de karité. Donc toujours garder la même quantité totale, mais voilà. Augmenter l'huile de coco, diminuer le beurre de karité pour que ce soit un peu plus crémeux ou alors diminuer aussi la cire puisque là j'en ai peut-être mis un poil trop. C'est pas évident à doser sur une balance de cuisine classique. En plus, c'est bête parce que j'ai une balance de précision. Mais voilà, la cire, il en faut assez peu.
Donc, il suffit d'en mettre 2-3 grammes de trop et ça va changer l'aspect final. Je vous donne une recette de base, vous testez et puis ensuite vous faites vos petites tambouilles, vos petites expériences. Il faut tester, il faut faire ses propres expériences. Moi, j'ai fait beaucoup d'expériences avant d'arriver au déo qui me convient le mieux. Donc, voilà, il faut tester. D'abord la recette de base pour voir ce que ça donne et puis ensuite vous adaptez selon vos besoins. Et voilà, donc on va passer à la réalisation de la recette. C'est parti! Alors pour les ingrédients, il vous faudra 30 g d'huile de coco, 20 g de beurre de karité, 3 à 5 g de cire et vous verrez que j'en ai mis un poil plus et des fois ça peut tout changer, 25 g de fécule, 25 g également de bicarbonate et enfin une fragrance cosmétique ou extrait aromatique. Ça, c'est si vous souhaitez parfumer, c'est pas obligatoire. Pour les contenants, donc avec ces proportions-là, je vais remplir deux petits pots. Alors, je saurais plus vous dire exactement la contenance, mais voilà, mes pots, alors il y en a que j'achète, il y en a que j'ai recyclé aussi, puisque j'utilise du fond de teint minéral, donc j'ai recyclé mon pot de fond de teint minéral, donc en poudre. Voilà, mais j'ai aussi le petit pot en verre, là je l'ai acheté, mais voilà, on peut recycler aussi les pots, c'est pas plus mal. Comme je vous l'ai dit, le bicarbonate, il faut le prendre extra fin ou sur fin. Donc là, c'est 0 à 130 microns, donc c'est le plus fin qu'on puisse trouver. Alors, je commence par peser mon huile de coco. Donc, 30 g d'huile de coco. Donc, vous voyez que quand elle est froide, elle est très, très solide. Hein, on dirait même un beurre. Un peu la même consistance que le beurre de karité. Donc, là, 20 g de karité, j'ajoute. Et enfin, la cire. Donc, là, en fait, j'en ai mis 7 g. Bon, pas grave. Donc je fais fondre tout ça au bain-marie, hein, tout doucement. Donc vous allez voir que la cire d'abeille met un petit moment à fondre, hein. Il faut vraiment la monter en température. Donc voilà, c'est là qu'elle a son intérêt, hein. C'est-à-dire que quand vous allez être face à des fortes chaleurs ou voyager dans des pays chauds, ben, votre déodorant il va se tenir avec la cire. Hein. Donc je touille, ça fond doucement. Voilà, on y arrive. Voilà, c'est tout fondu. Donc là, je pèse 25 g de maïzena, donc de fécule, et 25 g de bicarbonate sur fin. Et je vais les ajouter progressivement à mon mélange d'huile et de beurre. Donc j'ai éteint le feu, hein, c'est pas la peine de le faire sur le feu. Je laisse quand même mon petit bol dans mon bain-marie histoire de maintenir un peu au chaud parce que la cire d'abeille ça se durcit assez vite. Hein. Donc j'éteins le feu mais je laisse dessus, je laisse au chaud et je mélange. Hein, vous voyez, j'ai changé ma cuillère en bois pour un petit fouet pour bien mélanger et pas avoir de grumeaux. Et là, j'ajoute ma fragrance cosmétique, donc en fonction des indications du producteur, hein, le nombre de gouttes minimum et maxi. Et voilà, c'est déjà fini. Je transvide dans mes pots. Donc ça me fait deux petits pots comme ça, que j'ai recyclés. Donc là, ouais, vous allez voir l'aspect. Donc après quelques heures, hein, et c'est déjà, ça a bien durci, mais c'est encore un peu crémeux. Et après quelques jours, ça sera quand même beaucoup plus aspect beurre. Voilà, j'espère que ce petit partage de recettes vous aura plu. Si vous l'avez testé, eh bien, dites-le moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si c'est aussi efficace pour vous que pour moi. Pensez à nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager à continuer nos vidéos. Pensez aussi, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner et surtout bien activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. C'est vrai que pour le live, par exemple, bon, qui n'était pas d'une grande qualité,
On fera mieux la prochaine fois. Il y avait des personnes qui regrettaient de ne pas avoir été notifiées. Donc, je pense que c'est dû à cette petite cloche qu'il faut bien penser à activer. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook aussi, également nous soutenir sur Tipeee. Et je remercie encore une fois, je crois que je le fais tous les mois, Starkey, qui à chaque fois nous envoie un petit tip d'encouragement avec un petit mot. Donc, merci encore à Starkey et à toutes les personnes qui nous ont soutenus jusque-là. Et encore à Séance Habilité qui nous a fait un type mensuel. Donc voilà, merci à tous. Vous avez les liens en commentaire, que ce soit pour le Facebook, pour Tipeee. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite du chantier cette fois. Ciao! Some things happen.